Dieu vous bénisse surtout abondamment ce matin. Je dis merci à notre Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde et nous tenons devant vous. C'est une grande responsabilité. Merci aussi à nos pasteurs et l'école des anciens pour la grâce qu'il m'a accordé de parler avec vous ce matin. Nous sommes dans notre thème de l'année. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Nous sommes dans Luc chapitre 4. Dans notre thème, nous allons parler du 18e verset. Et la dernière partie. La dernière partie, 18e verset, dernière partie. Et nous allons tirer là-bas notre sous-thème d'aujourd'hui. Luc, c'est dans le Nouveau Testament, Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Et le verset 18e verset. On lit tous les thèmes. Nous prenons juste le 18e verset, la dernière partie. Ce qui va nous concerner ce matin. Après avoir lu Luc 4, 18, on va lire Psaume 74, verset 21. Et après Ecclésiaste chapitre 4, verset 10. Nous allons lire maintenant. On peut se mettre là si ça ne vous gêne pas. On lit d'abord le thème de l'année et on va s'attarder plus sur 18 ans et verser la dernière partie. 1, 2, 3. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et avec le recouvrement de vie, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. On peut s'arrêter là-bas. On lit Psaume 74, verset 21. Zaburi, makumi saba na inne na mstari wa makumi mbili na moja. Que l'opprimé ne retourne pas confus. Vous êtes avec moi? Ok. Que l'opprimé ne retourne pas confus. Que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. Ecclésiaste 4, verset 1. Ecclésiaste 4, verset 1. J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Et voici, les opprimés sont dans les larmes et personne qui les console. Ils sont en butte à la violence de leurs oppresseurs et personne qui les console. Amen. Vous pouvez vous mettre. Voici notre thème, notre sous-thème. Comment expérimenter la liberté sans être opprimé? Comment expérimenter la liberté sans être opprimé? Comment expérimenter la liberté sans être opprimé? Alors, quand vous lisez la Bible là, pour proclamer aux captifs la délivrance, verset 18e, 19e plutôt, pour proclamer aux captifs et aux aveugles le recouvrement de vie, pour envoyer libres les opprimés. C'est ça, nous ne donnons pas place à ça. Pour envoyer libres les opprimés.
cette partie que nous avons exploitée. Beaucoup ont déjà exploité avant moi. Mais aujourd'hui, je reconnais la pertinence de leur travail. Que Dieu les bénisse abondamment. Ok, aujourd'hui nous allons exploiter la partie ici. Comment expérimenter la liberté sans être opprimé. Dans notre tête, il dit ceci, pour renvoyer libre les opprimés. Pour renvoyer libre les opprimés. Ce que nous allons maintenant exploiter ce matin. C'est pourquoi je souhaite bon appétit à tout le monde. Quand je suis monté le matin ici à la chaire, l'officier a parlé, il a touché à ce que je vais développer. Kiongozi aligusa kwa ile nitakapo chambua. Je lui ai arrêté. Nilimsimamisha. Pas ça. Apana dans la prière, il dit, pas ça, c'est moi qui vais exploiter ça. Ya mahomi, nikasema, apana et il s'est arrêté, il ne s'est pas rendu compte. Na yeye akasimama akujua. Ça serait pas un péché ce matin. Un péché ce matin. Zambi moja asubuhi. Que nous allons exploiter avec vous. Ambayo tutazungumza pamoja nani. Qui est la cause de tous les autres péchés. Na inakuwa ni sababu ya zambi zote zingine. Un seulement. Moja tu. Un péché. Zambi et moja. Un démon. Qui est à la base de tous les autres péchés. Anakuya sababu ya mazambi zote zingine. Beaucoup de gens souffrent. Watu wengi wameteseka. Parce qu'ils sont opprimés. Maana wao wameteseka. Et d'autres na wengine, ne savent pas qu'ils sont eux-mêmes l'objet de leurs propres souffrances. Awajue kwamba wao wenyewe wanakuwa sababu ya magumu yao. À cause de l'ignorance de l'origine de ce qui cause les oppressions. Kwa sababu ya kutoko kujua ya chanzo ya hiyo mateso yao. Et dit, beaucoup de gens souffrent. Yani watu wengi wameteseka. Parce qu'ils sont opprimés. Kwa sababu wao wamechubuka. Et d'autres ne savent pas. Na wengine wajui. Qu'ils sont eux-mêmes l'objet de leurs propres souffrances. Kwamba wao wenyewe ndio chanzo ya magumu yao. À cause de l'ignorance. Kwa sababu ya kutoko kujua. Des origines. Ya mwanzo. Et de ce qui les opprime. Ya ile inenda kabisa kuwavamia wala kuwatesa. Si vous ne découvrez pas rapidement. Ikiwa uvumbue kwa haraka. Que vous êtes opprimé. Ya kwamba wewe umechubukiwa. Vous allez l'adopter comme un mode de vie. Utenda kuyakubali kama namna moja ya kuishi. Des épreuves. Ya majaribu. Votre personnalité. Na umutu wako. Votre vision. Na hata ono yako. De l'amour de Dieu pour votre délivrance. Ya mapendo ya Mungu kwa ajili ya ufungulivu wenu. Va perdre leur valeur salvatrice. Nayo itenda kupoteza bei yao ya wokovu. Souvent. Mara nyingi. Un opprimé. Mwenye kuchubushwa. A des sources. Anakuya na chemchemu mbili. Source interne. Chemchemu ya ndani. Et source externe. Na chemchemu ya nje. La combinaison de sources. Kuungana kwa hivi vyanzo viwili. Fait donner le vrai sens. Nenda kuleta maana ya kweli. La vraie cause réelle. Na sababu ya kweli. Qui appelle Christ à venir au secours des opprimés. Na ile inenda kualika Kristu ili aje awasaidie wanayoteseka. Je disais que souvent un opprimé. Nilisema zaidi mwenye kuchubuka. A des sources. Anakuwa na vyanzo viwili. Qui cause sa souffrance. Ambayo vinakuwa sababu ya mateso yake. Source interne. Chanzo cha ndani. Source externe. Na chemchemu ya nje. La combinaison de ces deux sources. Kuungana kwa hivi vyanzo viwili. Fait donner le vrai sens. Inaleta maana ya kweli. Et cause réelle. Ya masababu ya qui appelle Christ à venir au secours des opprimés. Ambayo imeenda kukimbilia kwa Kristo ili apate kuja kwa msaada ya wenye kuteseka. Les opprimés font l'objet de l'un des programmes d'onction de Christ. Na, watu, pour sa délivrance. Wanayoteseka imekuya ni sababu ya ono ya Yesu Kristo kwa sababu ya ufungulivu wao. Parce que le cas de l'opprimé c'est sérieux. Kwa sababu maneno ya mwenye kuteseka ni ya donc, hakika. L'opprimé fait l'objet de l'un des programmes d'onction de Christ na pour sa délivrance. Kuteseka amekuya kwenye programu ya matendo ya Kristo kwa sababu ya ufungulivu wake. Parce que le cas de l'opprimé c'est sérieux. Kwa sababu maneno ya mwenye kuteseka inakuwa ya hakika. Voici notre plan. Na tazameni anwani daftari yetu. Opprimé. Maana ya kuteseka wala mwenye kuchubuka maana yake ni nini? Deuxième point, nous allons voir
les origines internes et externes des opprimés. Na ya pili tutaona vyanzo vya ndani na vya nje ya mwenye kuteseka. Après nous allons voir les signes qui montrent que vous êtes opprimés aussi. Na tutaona madai alama zinapoonyesha kwamba na wewe uko mwenye kuteseka. Nous allons voir ça. Tutaona hiyo. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils sont opprimés. Na wengi hawajui ya kwamba wametubushwa. Vous savez, najua, on connaît la valeur du sang de Christ quand vous rencontrez avec un péché. Utajua behei ya damu ya Christ wakati unakutana na zambi. Quatrième petit point, nous allons voir sorte d'opprimé. Na ya ine tutaona aina ya wenye kuteseka. Et nous allons terminer que Jésus change les statuts des opprimés. Tamalizia kwamba Yesu abadirishe aina ya wenye kuteseka. Et remplace par la liberté humilité. Na aigeuze kwa uhuru na unyenyekevu. Qui vous élève pour la gloire de notre Seigneur. Itakapo wainua kwa ajili ya utukufu ya Bwana wetu. Et dit, on a parlé de quid de l'opprimé, les origines internes et externes des opprimés. Yule aliyetubuka ni nani, masababu ya ndani na ya nje. Et les signes qui montrent que vous aussi vous êtes opprimé. Alama wala dalili zinapoonesha ya kwamba na wewe pia umekwisha teseka. Nous aussi les sortes d'opprimés. Na tutaona aina ya wenye kutubuka. Jésus change les statuts des opprimés. Na Yesu amegeuza tabaka ya wenye kuteseka. La liberté humilité. Na anawaletea kwa neema unyenyekevu. Qui vous élève pour la gloire de notre Seigneur. Ili apate kuwainua kwa ajili ya utukufu ya Bwana wetu. Alors opprimé c'est quoi? Basi mwenye kutubuka ni nani? Ceux qui ont étudié à l'école primaire ou à l'école secondaire. Ulipofunza kwenye. C'est un adjectif. Masomo ya msingi wala ya sekondari qui qualifie une personne opprimée. Inakuya mitendo inenda kuonesha mtu mwenye kuteseka. Un opprimé, mwenye kutubuka, c'est une personne accablée. Ni mtu yule ambaye amebanwa na maneno. Une personne qui subit une contrainte. Na mtu anayepokea nguvu za nje par un abus de pouvoir exercé sur elle. Kwa ku tumia madaraka mbaya kwa wale wanayokuwa nayo. Une personne accablée. Mtu yule anayeteseka. Une personne qui subit une contrainte. Na mtu anayopokea mauwezo ya nje. Un abus de pouvoir exercé sur elle. Na uharibifu ya madaraka wanapotumia juu yake. Des fois on le confond avec oppression. Na mara wanaenda kabisa kuyachanganisha pamoja na kuchubukwa. Mais le point commun entre opprimé et oppressé. Lakini ma atianisho kati ya ule mwenye kuchubuka na ule anayetesa mwenye le point commun c'est accablement. Yani inakuya ni kusumbusha. Mais la différence est que oppression est utilisée médicalement. Hiyo kuchubuka imetumiwa katika hali ya kiganga. Son sens est biblique. Na aina yake ya kibiblia c'est s'asseoir sur une personne. Ni kuketi juu ya mtu. Et exercer cruellement un pouvoir sur lui contre sa volonté. Na kwenda kutumia madaraka juu yake kinyume cha mapenzi yake. Donc s'asseoir sur une personne exercer cruellement un pouvoir sur lui contre sa volonté. Na kukaa juu ya mtu na kutumia juu yake uwezo ya ukali kinyume cha mapenzi yake. Ça c'est l'oppression. Hiyo ndio kuchubuka. Mais tandis que opprimé, yani kuteseka, il est plus profond. Inakuwa ya uketo. C'est pourquoi il a fait partie des programmes de Christ. Inafanya sehemu ya programu ya Kristo. Opprimé est plus profond. Na kuteseka ni ya uketo. Parce que il attaque trois dimensions de l'homme. Kwani inaenda kabisa kushambulia aina tatu ya mtu. Il attaque la dimension de l'esprit de l'homme. Inaenda kushambulia hali ya kiroho ya mtu. La dimension de son âme. Hali ya nafsi yake. Et la dimension de son corps. Na sehemu ya mwili wake. Un opprimé mtu mwenye kuteseka n'a pas de consolation. Ana na faraja. Dit Hébreux chapitre 4 verset 1. Tito 2 mstari wa kwanza. Il n'a pas de consolation. Ana na faraja. Pour lui, il se seulement la délivrance. Kwake tu ni ufungulivu. On peut se débarrasser rapidement d'une oppression. Unaweza kuachana haraka na utukufu. Un opprimé, lakini mwenye kuteseka, il faut une délivrance. Unahitaji ufungulivu. C'est quelqu'un de l'extérieur pour l'aider. Inatoka nje kwa ajili ya kumsaidia. C'est pourquoi lui qui se fait les mots opprimés, un opprimé, son programme de travail. Ni kwa maana Luka anatumia hii kuteswa iko kama Kristo anakuwa na programu ya kazi yake. C'est en cela que nous disons que un opprimé. Ni pale tunasema mtu mwenye kuteseka. C'est une personne. Ni mtu qui subit une contrainte. Anapokea nguvu moja. Par un abus de pouvoir. Kwa uharibifu ya utumizi exercé sur elle. Ya madaraka wanayotumia juu yake. Dont elle-même participe activement à l'ignorance. Bila yeye peke ahudhurie kwa hiyo kwa sababu ya uzinga. Donc ici, il ne compte pas exercer sur elle.
Et dont elle-même participe activement. Par l'ignorance. Ya kujua, à sa propre souffrance. Kwa mateso yake mwenyewe. Il pense que ce qui cause ça son, qui fait qu'il est opprimé, c'est en dehors de lui. Kwamba, ili kwamba mais lui aussi participe aussi à cela. Na ye mwenyewe anenda kuzuria kwa hiyo. Un opprimé, c'est quelqu'un qui est asservi. Na mwenye kuteseka ni yule ambaye amevamiwa. Qui est empêché de s'exprimer. Yeye amekataliwa kuweza kusema mwenyewe. Et de se mouvoir librement. Hata kuweza kutembea kwa uhuru yote. Il faut une autre personne. Inabidi mtu mwingine. Qui découvre la cause qu'il est opprimé. Anayevumbua sababu ya kwamba yeye ameteseka. Et vient à son secours. Na anakuja kwa msaada wake. Pour lui rendre sa liberté. Ili apate kumrudishia uhuru wake. Donc il est opprimé. Yeye mwenyewe ameteseka. Mais lui aussi participe à ce qu'il est opprimé aussi. Na yeye amehudhuria kwa ile mateso yake. Il est asservi. Yeye amevamiwa. Mais des fois il ne connaît pas. Lakini mara nyingi ajui. C'est quelqu'un d'autre qui découvre. Lakini mwingine anavumbua. Et vient l'aider. Na yakuwa kumsaidia. Pour sortir. Kwa ajili ya kutoka. De son statut d'opprimé. Hiyo ndio hali ya mwenye kuteseka. Alléluia. Amina. Je pense que ce n'est pas aussi votre cas. Nafikiri haiko. Nous allons voir maintenant la cause intérieure, extérieure des opprimés. Basi sababu ya ndani na ya nje ya wenye kuteseka. Beaucoup de gens, watu wengi, souffrent. Et sont opprimés par un péché. Un péché. Un péché qui est la base de beaucoup de péchés. Et beaucoup de serviteurs de Dieu qui prient Dieu et qui servent Dieu sous le soleil font face à ces péchés-là. Ils font face à ces péchés-là. Wana kutana hiyo zambi. Et ce péché-là, c'est un monstre marin. Na hiyo zambi amekuya ule nyama mkari wa maji. Il prend plusieurs noms. Na anatoa majina achana chana. Dans Esaïe chapitre 27 verset 1. Isaya 27 na mstari wa kwanza. On l'appelle Léviathan. Wanamuita Léviathan. Et dans le livre de Job, il est représenté par crocodile et hippopotame. Dans le livre de Job, il est représenté par crocodile et hippopotame. Na, kiboko. On l'appelle aussi un dragon. Wamemwita pia dragon. C'est Esaïe, on l'appelle aussi le serpent tortier. Na, kwa Isaya wanamwita huyu nyoka mkali. Le serpent tortier. Huyu nyoka mkali. Le serpent fuyard. Huyu nyoka wa kukimbia. Un dragon qui réside au milieu de la mer. Na huyu demona ameketi katikati ya bahari. C'est un esprit le plus difficile à vaincre. Ni roho wa nguvu sana kumushinda. Il faut vite l'identifier. Inafai kumuvumbua haraka. En vous pour le vaincre. Ndani yenu kwa ajili ya kumushinda. Il vit dans la profondeur des eaux. Ameishi ndani ya uketo ya maji. Et cet esprit-là, il vit dans la profondeur des eaux. Yule roho ameishi katika vilindini vya maji. C'est un péché redoutable. Ni zambi ya kushtusha. Et subtil. Ya mshangao. Qu'on appelle un péché d'orgueil. Wanaita zambi ya kiburi. On appelle l'orgueil. Wanaita kiburi. L'orgueil, notez orgueil. Andikeni kiburi. Cause de votre opprimé. Sababu ya kuteswa kwenu. L'orgueil, kiburi. Il est enraciné dans les profondeurs de beaucoup de serviteurs de Dieu. Imetiliwa. Et dans les sentiments des gens. Inatiliwa mzizi. Il est dans la profondeur. Ndani ya uketo ya watu. Et ce qui opprime les gens. Nani ile inateswa watu. Dans les profonds des gens. Katika uketo. Il est dans l'esprit de l'homme. Eko ndani ya roho ya mtu. Il est dans son âme. Il est dans son corps. Na iko ndani ya mwili wake. Et cela l'opprime de l'intérieur. Na ile inateswa ndani. À tel point que tout son être est mobilisé et transformé en fonction de cette péché ici. Na mpaka kwamba umutu wake wote inaenda kurekebishwa kulingana na hii dhambi. Il est difficile de le vaincre. Ni vigumu kumushinda. Et de le remplacer par l'humilité. Na kwenda kumu Zaidia kupitia unyenyekevu. Difficile de les vaincre. Ni vigumu kumushinda. De les remplacer par l'humilité. Na kwenda kumutosha na kutia hapo unyenyekevu. Le début de l'humilité.
consiste à reconnaître nos limites. Inakuya kutambua mipaka yetu. Notre incapacité. Kushindwa kwetu. Et notre dépendance. Na kuelekea kwetu. Vis-à-vis du Seigneur. Mbele ya Bwana. Un homme humble. Mtu mnyenyekevu. Reconnaît son besoin du Seigneur dans tout ce qu'il fait. Anajua udogo wake mbele ya Bwana ndani ya ile yote kunafanya. Un homme humble reconnaît son besoin du Seigneur dans tout ce qu'il fait. Mtu mnyenyekevu amehitaji Bwana ndani ya vitu vyote kunafanya. Tandis que un orgueilleux, lakini mwenye kiburi, il est différent. Ameachana. Il peut recourir à son savoir. Anaweza kukimbilia kwa sa connaissance, amu wake, ujuzi, sa puissance, wake, uwezo wake, sa capacité, na uwezaji wake, et développe pour résoudre un problème. Na anenda kuifanya ipate kuya magumu. L'orgueil est un ennemi redoutable. Kiburi inakuwa ni adui. Ce qui opprime les gens de l'intérieur, dans les profondeurs. Et kuna tesa watu ndani ya uketo yao. Il est difficile de découvrir et de les vaincre par les conseils. Iko vigumu kumuvumbua na kumshinda kupitia mashauri. On peut pas vaincre l'orgueil par les conseils. Hauwezi kushinda kiburi kupitia mashauri. Par des prières sans gêner. Kupitia maombi bila kufunga. Et même par la sanctification. Hata kupitia utakaso. Ou même par la sainteté. Wala utakatifu. Il faut une onction gracieuse du Seigneur. Nabidi upako wa neema ya Bwana. Pour aider à découvrir les portes de Léviathan. Ili ufikie mu atua ya kuvumbua atua ya ule nyama mkali. Il faut une onction gracieuse du Seigneur. Inabidi neema ya Bwana. Pour découvrir les portes de Léviathan. Atua ya yule unyama mkali. Job se voyait. Yobo alifikiri. Très pur. Mtakatifu. Sans péché. Bila zambi. La Bible le qualifie, Job ne pécha point. Biblia inasema Yobu akutenda zambi. Mais Dieu le récupère. Lakini Mungu amemkokota. Dieu lui pose la question. Na Mungu anamuuliza. Est-ce que tu connais crocodile? Et tu unajua mamba? Est-ce que tu connais hippopotame? Et tu unajua kiboko? Donc quand on est orgueilleux, wakati unakuwa mwenye kiburi, tout ce qu'il fait, yote unayofanya, on voit que c'est bon des fois. Unafikiri kwamba ni mema. Il est dans l'église. Eko ndani ya kanisa. Il serait parti sanctifié. Il fait tout. Anafanya yote. Quand il subit l'attaque. Na wakati anashambuliwa. Il dit non, moi je n'ai pas péché. Anasema mimi je ne vis pas dans l'impudicité. Je ne vis pas dans les mensonges. Je ne vole pas. Je suis intègre. Je suis pur. Je suis saint. Dieu lui pose la question. Est-ce que tu connais Léviathan? Est-ce que tu connais crocodile? Est-ce que tu connais hippopotame? C'est un orgueil. Ni kiburi, c'est le frère pas un orgueil. Un orgueil, c'est difficile de découvrir son état d'orgueilleux. Na mara ningi ni vigumu kuvumbua hali yako ya kiburi. C'est pourquoi il est opprimé. Ni mana meteseka. De l'intérieur. Ndani. Au premier verset, le premier verset de l'onction du Seigneur. Il dit l'onction du Seigneur est sur moi. Na vesi ya kwanza ya upako ya Mungu. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Roho ya Bwana iko juu yangu juu ya kutangaza habari njema kwa maskini. Le 19e, il termine par rendre libres les opprimés. Non, ya mwisho anaishia kwenda kufungua wanayoteseka. Donc un péché, l'orgueil, c'est un péché qui amène les gens ya kiburi, ni zambi à reconnaître, soit d'une façon superficielle, leurs erreurs, soit ne pas reconnaître. Labda ali yao ya mais se présente comme un homme intègre. Un homme pur en se basant sur ses capacités personnelles. Na anenda kabisa kutegemea uwezaji wake wa upekee. Alors voyons d'abord les signes qui montrent que vous êtes oppressé, vous êtes opprimé. Na tutamzame kwanza alama inaonyesha ya kwamba nini unateseka. Il y a l'orgueil. Na ndani yenu mnakuya kiburi. Et que vous ne connaissez pas. Na nini amujui. L'orgueil amène les gens de haut en bas. Kiburi de la sainteté à la pourriture. Kinaleta watu kutoka juu kwenda chini na kutoka utakatifu kwenda kwenye viozo. Voici les signes qui montrent que vous êtes orgueilleux et vous êtes opprimé. Na tazameni alama zinapoonyesha kwamba nini mko mwenye kiburi na mnateseka. Et que vous avez besoin de la liberté de Christ. Mnahitaji uhuru wa Kristo.
les premiers signes qui montrent que vous êtes orgueilleux et que vous êtes opprimé. L'incrédulité et le doute. Avec la foi fragile. L'incrédulité et le doute. Avec la foi fragile. Votre foi n'est pas tellement solide. Il y a l'incrédulité. Deuxième signe qui montre que vous êtes opprimé. Il y a la confusion et la honte. S'il ne la découvre pas, la confusion et la honte. Une vision contraire aux choses de Dieu. Une vision contraire aux choses de Dieu. Tu es ta propre vision pour les choses de Dieu. Et dans une assemblée comme Pepe Inilou. Votre intervention. Que les pasteurs devraient faire ça. Que les agents doivent faire ça. Donc, tu as tes propres directives. Et ça, votre tableau de bord. Et quand on ne fait pas comme ça, ça vous crée un problème. Donc, le problème n'est pas à leur nouveau, mais c'est à votre nouveau. D'autres signes qui montrent qu'on est orgueilleux et opprimé. L'incapacité à encourager et à féliciter ceux qui réussissent. L'incapacité. Encourager et féliciter ceux qui réussissent et ceux qui avancent. Vous n'encouragez pas l'autre personne. Vous n'encouragez pas. Et vous ne les félicitez pas. Mais aussi, les gonflements de ceux qu'on les félicite. Parce qu'il a réussi. Quand on les félicite aussi, ils se gonflent aussi. Donc, quand on ne les félicite pas, vous ne les félicitez pas. Parce qu'en vous aussi, il y a l'orgueil. Mais quand vous félicitez aussi, celui qu'on a félicité aussi, il se gonfle aussi. Donc aussi, c'est un péché subtil qui ravage beaucoup de gens. On dit, tu as bien chanté. Vous gonflez un peu. Si on ne vous encourage pas, ces gens sont insensibles. Donc c'est un péché très subtil. Et ça opprime les gens de l'intérieur. D'autres signes qui montrent qu'on est opprimé de l'intérieur. Le cœur dur, insensible au changement. Vous avez vos propres changements. Mais vous aussi, vous ne voulez pas que les gens changent. Mais contraire à ce que toi tu vois, tu te fâches. Un cœur dur, insensible au changement. Il y a aussi la critique et la comparaison. Kunakuya pia kuteta na kulinganisha. Vous critiquez l'autre et vous vous comparez aussi. Uko na teta wengine na unaenda kulinganisha na wewe mwenyewe. Avec une exaltation de soi. Pamoja na kupenda kujipandisha mwenyewe. Alléluia. Amina. Si je vous blesse, ne me lapidez pas, c'est entre nous. Hakika msinipige mawe ni katikati yetu. D'autres signes qui montrent que vous êtes opprimé par l'orgueil. Na ma alama nyingine inaonyesha ya kwamba umeteseka na kiburi. Il y a l'insoumission. La Bible parle de cou roide. La Bible nasema nshingo mgumu. C'est la tétitesse. Yani mtu apende kusikia wengine. Vous savez, quand tellement qu'on a parlé longtemps. Wakati wanasema à celui ou à celle qui est opprimée par l'orgueil. Kwa yule ambaye amevamiwa na kiburi. Des fois on les laisse comme ça. Mara wanamwachaka tu. Je donne un exemple. Naleta mfano. Vraiment je donne un exemple. Hakika hiyo ni mfano. Quand vous voyez dans les contextes bibliques. Kama mnaona katika Biblia. Les femmes qui viennent dans l'assemblée. Wanawake wanapokuja ndani ya makutano. Pour prier dans les temples comme ceci. Kuja kuomba katika hekalu kama hii. Ils doivent mettre le foulard. Ils devaient se voiler. Mais maintenant, comme ils ont, on a beaucoup discuté. Les biblistes ont dit que comme ça, on tolère.
Lakini wale watu wa Biblia wanasema tuvumilie tu. On les laisse. Na tuwaache. Mais devant Dieu, c'est un coup roide. Ni shingo mgumu. Parce que quand une femme prie dans l'assemblée comme ceci sans se voiler. Kwani ndani ya makutano mwanamke anapoomba kama hii bila kujifunika. Elle est exposée à des possessions démoniaques et beaucoup d'oppression sur sa tête. Anajiweka wazi mbele ya mapepo na mademona kwa ajili ya kuweza kumvamia. L'orgueil empêche les gens à lire la Bible. Kiburi imezuiza watu kusoma Biblia. Et à comprendre, à prier et à obéir. Na kuelewa ili waombe na kutii. L'orgueil empêche les gens à lire la Bible. Kiburi kinazuiza. Et à comprendre, à prier et à obéir. Kinazuiza watu kusoma Biblia na kuelewa na kutii. À ce moment-là, l'opprimé est sa propre cause de ce qui l'opprime. Ce n'est pas accéléré. Na kwa hiyo inakuya sababu yake mwenyewe yule anaenda kabisa kuteseka. D'autres signes qui montrent qu'on est opprimé. Ma alama nyingine inaonyesha kwamba wewe unateseka. C'est concentrer rien que sur les défauts de l'autre. Ni kwenda kusimamia tu juu ya makosa ya mwingine. Vous concentrez sur les marques de l'autre. C'est concentré sur les marques de l'autre. C'est le massa. Ni paka hiyo tu. Vous ne cherchez pas le bien des gens. Mais c'est le mal et le mal. Ni paka ubaya wao. Quand on fait de mal, kama unafanya ubaya, tu deviens un prédicateur de mal des autres. Wewe unakuwa mhubiri na mtangazaji wa ubaya wa wengine. Je pense que ce n'est pas votre cas. Haiko hali yako. Ici nous te montrons comment tu es opprimé de l'intérieur de toi-même. Hapa tu kunaonesha namna gani unateseka ndani yako. Avec son onction est venu pour vous ce matin. Na Kristo pamoja na habari yake alikuja. Beaucoup de gens veulent aller évangéliser avec l'onction, mais ils n'en ont pas parce que et même ils sont la cause de leur propre opprimé. Hawawezi kwenda kutangaza habari njema kwanza wana na upako kwa sababu wao wenyewe ni sababu ya mateso yao. Alléluia. Amina. D'autres signes qui montrent que tu es opprimé. Alama nyingine inaonyesha kwamba uko mwenye kuteseka. Les colères, les mensonges, kasirani, la haine, uongo, chuki. Et on n'oublie pas l'effort des autres pour pardonner. Uko naenda kusababu ya kwamba makosa ya wengine nafai kuwahurumia. Quand quelqu'un s'efface, wakati mtu anashirika, quand il s'efface contre moi, kama ananishirikia mimi, qui souffre? C'est lui, pas moi. Nani anateseka? Ni yeye. Lui me est opprimé. Yeye, moi je suis à l'aise. Mimi ko tu kimya. Quand il me hait, qui souffre? C'est lui. Wakati anashirika, yule anateseka. Ce n'est pas moi. Aiko mimi. Donc on est opprimé de l'intérieur lui-même. Yani umeenda kuchubushwa ndani wewe mwenyewe. A besoin de vous. Christ anawahitaji pour qui enlève cela il a ondoche et met en vous la liberté. D'autres signes Daniel uhuru. D'autres signes qui montrent que tu es opprimé de l'intérieur. Alama nyingine inaonyesha kwamba umeteseka ndani. Les péchés zambi et les démons qui ne vous quittent pas. Nama demona aitoke ndani yako. Tu ne pardonnes pas les péchés. Wewe toujours les mêmes péchés on vous a reproché toute l'année. Wewe walikuonya mwaka mzima juu ya zambi. Et mon pardonné, tu continues mais à défendre ces péchés là, tu dis que c'est comme ça que je suis. Na wewe unaendelea paka kutetea ya kwamba ndio mimi nimekalaka. Tu es opprimé de l'intérieur. Wewe umeteseka ndani ndani. Tu es dans le sérieux. D'autres signes qui montrent qu'on est opprimé. Alama nyingine inaonyesha ya kwamba umeteseka. La sorcellerie et la rébellion. Ulozi na utombozi. Accompagné de murmures et de plaintes dans l'église. La sorcellerie, la rébellion accompagnée de murmures et de plaintes de l'église. Ulozi nunanuna inasindikizwa na kulilia lilia ndani ya kanisa. Il y a ce qu'on appelle les conflits interminables. Unakuwa paka na mambo isiyomalizika. On découvre que quelqu'un est opprimé. Wana tambua kwamba huyu mtu ameteseka. Quand il discute, wakati anaanza kubishana, il veut toujours avoir raison. Yeye ametaka awe paka na sheria. Il est opprimé de l'orgueil. Kwa sababu yeye amejazwa na kiburi. Qu'il l'empêche de s'humilier. Iko na mzuiza ajinyenyekeze. Et on est opprimé cela. Na hiyo inakutesa. Christ a besoin de vous. Kristo anakuhitaji. Un orgueil parle beaucoup. Mwenye kiburi anasemaka mingi. Oh, celui qui parle beaucoup ne marque pas de péché. Japokuwa ule anasema mingi hawezi kukosa kufanya dhambi. Il est ici à Lubumbashi. Eko hapa Lubumbashi. Mais il vous découvre avec toutes les précisions tout ce qui se passe aux États-Unis.
en Europe, dans chaque pays, tout. Et il connaît tous les jouets. Il connaît tout. Vous lui posez la question, est-ce que tu as lu la parole de Dieu ce matin? Il dit que je n'ai pas d'accord au lit. Il est opprimé de l'intérieur. Il n'a pas besoin d'onction pour un travail. Un opprimé. Comment on le découvre? L'intellectualisme avec la fierté de savoir. Ujuzi, pamoja na hiyo fieri ya kujua. Il connaît beaucoup. Anajua mingi. Il sait gérer les gens à son niveau. Quand quelqu'un parle, il dit que celui-ci, il y a tel niveau. Anajua na kutia watu panafasi. Kama huyu anaza kusio nasema, huyu yako mwakua fulani. Il va me donner quoi? Ouais, utanipatia nini? Moi j'ai fait la théologie, il n'a pas fait. Il va me donner quoi? Mimi ifanya théologie, ya wewe wakufanya utanipatia nini? Ce n'est pas votre cas, ça va? Ça, c'est le signe qui montre que vraiment vous êtes opprimé de l'intérieur. L'orgueil se manifeste. Elle se manifeste dans votre réaction. Kiburi kimeonekana wakati wewe unataka kutenda. Votre réaction, comment tu réagis? Wakati unataka kutenda, unatenda namna gani? Dans votre réponse. Katika majibu yako. Dans votre ton. Katika namna yako ya kusema sauti. Tout le monde porte le fruit de son orgueil dans son être. Kila mtu amechukua matunda ya kiburi yake ndani ya mwili yake. Alléluia. Amina. Il y a beaucoup de choses à dire ici, c'est que c'est l'orgueil, le péché. Vitu ningi vya kusema. Et c'est ça la base de beaucoup de péchés. Ni zambi moja na kuwa chemchemu wala msingi ya mazambi mingi. Un gile plus rapide. Wewe unatukana haraka haraka. Pourquoi? Juu ya nini? Tu es intouchable. Wewe hauwezi kukugusa. On ne peut pas te déranger, non. Hauwezi kukuzuru. Je suis pas de votre terrain. Mimi sina wa mtabaka yako. Non. Hapana. Voyons maintenant les types d'opprimés. Tuone sasa aina ya wewe. Quelques types d'opprimés. Ce n'est pas beaucoup. Ma aina mbalimbali haiko mingi. Quelques types d'opprimés. Ma aina mbalimbali. Il y a un opprimé spirituel. Kuna mtu mwenye kuchubuka katika kiroho. Un opprimé spirituel. Mwenye kuchubushwa katika kiroho. C'est un opprimé. Ni mtu mwenye kuchubuka. Difficile d'être rempli du Saint-Esprit et de jouir des dons du Seigneur. Vigumu kujazwa na Roho Mtakatifu na kufurahia mazawadi ya Bwana. Quand Dieu a lui donné les dons, il va s'enorgueillir. Wakati Dieu bloque. Atampatia hiyo zawadi, atenda kujituna. On donne pas. Awatakupa. Ça c'est opprimé spirituel. Il n'est pas rempli de Saint-Esprit. Awezi kujazwa na Roho Mtakatifu. Il n'a pas les dons. Ana na mais zawadi. Il travaille par les talents. Naye anatumika pamoja na talenta. Il est un talent comme il connaît faire. Il fait ça seulement. Ni yeye anafikiri kwamba anajua anafanya namna nyingine. D'autres types d'opprimés. Na aina nyingine ya wenye kuchubuka. D'autres types d'opprimés. Aina ya wenye kuteseka. On appelle opprimé financier. Yule ambaye wa kiuchumi. Un opprimé financier. Yule mwenye kuchubuka katika hali ya kiuchumi. Dieu se réserve de lui donner beaucoup d'argent. Mungu amejizuiza kumpatia hela nyingi. Sa main n'est pas habituée à manipuler de grosses sommes d'argent. Mikono yake haizoei kupokea fedha nyingi. Quand vous lui donnez l'argent, unapompatia fedha, il va exploiter sa richesse partout. Yeye atenda kuipatupa mali yote. Il va beaucoup parler. Atazungumuza pasi yote. Et de futilité. Na kwa magumu. Des fois, il n'est pas contribué à l'œuvre du Seigneur. Na mara nyingi hawezi kuleta mchango kwa kazi ya Bwana. Non, je ne lui donne pas. Ah, Mr. Letter. Je ne lui donne pas. Mr. Letter. Il prie maintenant, quand il vous observe. Na wakati mnatazama. Vous savez, l'argent qui passe dans vos mains. Iyo makute na pitaka katika mikono yako. Ça ne dépasse pas un nouveau montant. C'est toujours les mêmes montants depuis que tu as commencé la vie chrétienne. Toujours les mêmes montants. Aipitake bwingi fulani. Iyo isha kusimama tu paka bwingi ile ambayo tangu kristu wako. Quand tu fais le commerce, c'est toujours le même montant. Na wakati unafanya yako tu uchuluzi. Vous travez le même montant. Unatumikaka, unafikiaka tu paka pale. Ça ne monte pas. Aipandake. Tu es un opprimé financier. Wewe uko mwenye kuteseka katika hali ya uchumi. Allez, toi, il y a l'orgueil. Mais Dieu refuse de vous donner pour que ça vous dérange. Bon, peut-être que ce n'est pas votre cas. Labda aiko hali yako. Alléluia. Amina. Peut-être ce n'est pas votre cas. Labda sio hali yako. Un opprimé financier. Mwenye kuchubushwa katika uchumi. Troisième type d'opprimé. Aina ya tatu ya mwenye kuteseka. Un opprimé sanitaire. Mwenye kuteseka katika hali ya afya. On lit 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7. Wa Korinto wa pili 12 na mstari ya 7. Opprimé sanitaire. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7. Mwenye kuteseka katika kiafya. C'est le cas de Paul. On peut lire ça. Paulo.
un opprimé sanitaire. De Corinthiens chapitre 12, verset 7. Vous avez trouvé dans le Nouveau Testament. Choriste, peut lire ça si vous avez trouvé. De Corinthiens chapitre 12, verset 7. De Corinthiens chapitre 12, verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. Alléluia. Ça, c'est opprimé sanitaire. C'est une chose de maladie qui passe en vous. Des fois, Dieu dit non, si je l'ai guéri, non, non, ce n'est pas bon. Il faut que je le garde comme ça. C'est pour le briser. C'est opprimé sanitaire. Et ça vient de quoi? De l'orgueil. Quatrième type opprimé. Il y a ce qu'on appelle opprimé conjugal. Kuna ule anapo itua mwenye kuchubuka katika ndoa. À cause de l'orgueil. Kwa sababu tu ya kiburi. On peut vivre longtemps dans le célibat. Unaweza kuishi masiku mingi katika ugani. Parce que mbalaka. D'autres orgueils qui se manifestent dans des hommes ou certaines femmes. Kuna kiburi kinaonekana ndani ya wanaume wengine ala wanawake. Il est trop orgueilleux, il est trop orgueilleux. Si je me marie avec un, je serai dans une prison. Atikika nitakuwa kama vile mugereza. Mais quand il se marie, na hata kama napo, je ne le bénis pas. En tout cas, c'est un mbariki. Ça, c'est opprimé conjugal. Huyu ni mwenye kuchubushwa katika ndoa. Cinquième type opprimé. Aina ya tano. Qu'est-ce qu'on appelle opprimé professionnel? Ni ule mwenye kuchubukwa kwa aina ya kikazi. Donc, le professionnel, c'est quel opprimé? Ni wa aina gani? C'est quelqu'un qui travaille. Ni mtu anayetumika. Mais il n'a pas de promotion. Lakini apatake kupanda cheo. Mais peut-être pour avoir le travail. Na kupata kazi. C'est difficile. Ni vigumu. Si là, il travaille. Kama natumika. C'est à peu près du boulot. Ni karibu ya tu kama kazi. Pourquoi? Parce que si il donne un bon emploi. Wani anapo kupatia kazi mzuri. Et grand. Na kubwa. Il va fuir l'église. Atakimbia na mkanisa. Alors quand il fuit l'église, parce qu'il va fuir l'église quoi? Il n'a pas le temps. Na atakimbia kanisa namna gani? Ana na wakati. Il n'a pas le temps, il est absorbé par le boulot, il n'a pas le temps. Ana na wakati yeye kazi inambeba. Quand il a beaucoup d'argent. Na wakati anakuwa na hela nyingi. Non, les objectifs changent. Na maono imebadilika. Alors, à ce moment-là, na hiyo wakati, la cause ce n'est pas de l'excès, c'est lui-même. Sababu haitokane nje, ni yeye mwenyewe. Sixième opprimé. Na wakuteseka wa sita. Il y a opprimé héréditaire. Kuna kuya kuteseka ya kizalikio. Opprimé héréditaire. Teseka kwa kizalikio. C'est un type d'opprimé. Ni aina ya wenye kuteswa. À cause des noms que vous avez. Kwa sababu ya jina mnayokuwa nayo. La personne que vous portez son nom, c'était un orgueil au cadre. Labda hiyo jina unakuwa nayo, ule alikuwa nayo, alikuwa mwenye kiburi kabisa. À cause des sang que vous avez. Na hiyo damu unakuwa nayo. Vous avez le sang des orgueillés. Unakuwa na damu ya wenye kiburi. À cause des familles. Vous êtes dans la famille des orgueillés. Kwa sababu ya jamaa, uko mwenye jamaa ya wenye kiburi. Alléluia. Amina. That's the opprimé héréditaire. Hiyo ni mwenye kuteseka ya kizalikio. Nous fermons les yeux. Tunafunga macho. Je demande. Ninaomba. Nous demandons. Tunauliza. À ceux qui veulent que wale wanapotaka kwamba Jésus-Christ enlève des d'orgueil. Yesu-Kristo aondoshe kiburi. Change les statuts de opprimé. Abadirishe tabaka yao ya wenye kuteseka. Et remplace par la liberté. Na ayageuze kwa uhuru. Nous demandons à ceux qui veulent que Jésus-Christ tunaomba kwa wale ambao wanataka Yesu-Kristo les aide awasaidie à enlever l'orgueil. Kwa kutosha kiburi. Et met en eux na aweke ndani yao la liberté, uhuru, la simplicité, l'humilité, unyenyekevu, pour être béni par lui. Ili wapate kubarikiwa naye. Si c'est votre désir, kama ni kutaka kwenu, vous élevez les mains. Muna inua tu mkono. Va prier, merci, Dieu bénisse. Na tutaomba. Avancez devant. Courage, avancez devant. Jitie moyo, ukaribie huko mbele. Avancez devant. Karibieni honte. Avancez devant. Usiwe na aya.